La pire expédition nocturne, c'était au Népal. C'était notre deuxième nuit. On a escaladé une montagne. C'était une ascension super difficile et tout à coup, le ciel nous est tombé sur la tête. J'y crois pas. Je m'attendais à de la neige, pas à de la pluie. On est allé de l'autre côté de la planète pour trouver le Yeti. Faut pas que la météo nous barre la route. C'était assez horrible. Je pensais pas qu'on s'en remettrait. La piste qu'on suivait s'est transformée en cascade qu'on a dû descendre. Putain. Alors, ça te plaît ? Grave. Putain. Quelle nuit pourrie. Malgré tout, j'oublierai jamais la majorité de ces expéditions nocturnes, parce qu'on a croisé de nombreux Sasquatch. Il a crié 7 ou 8 fois pour l'instant. Oui, je l'entends. Il fait... T'as entendu ? Oui, j'ai entendu. T'as entendu ? Bien sûr. C'était vous ? Vous avez poussé un cri ? Non, c'est pas nous. Matt, par là. En Caroline du Sud, je suis sûr d'en avoir entendu 2 s'enfuir dans le marécage. C'était un oiseau qui s'envolait ? Un oiseau, ça marche pas dans l'eau. Je l'entends. C'est quelque chose d'imposant. On aurait presque dit que quelque chose était en train de s'enfuir sur 2 pattes. Pour moi, ça vient de 2 endroits. Là et là. Alors, il y en a 2. Là. Il a crié. Parfois, à cause des bruits de la nature ou du vent, les téléspectateurs n'entendaient pas. Mais nous, on les entendait bien. Ils se dirigent vers nous. Ils sont pas loin. Vous avez entendu ça ? Ouais. À notre droite. C'était un Sasquatch, c'est sûr. Un cri. J'ai pas entendu. Moi, si. Putain. Je vois quelque chose dans les arbres, là-bas. Ça a l'air gros. Oh ouais ! C'en était un. Ouais ! Je le savais. Je le savais. Il y avait quelque chose. Équipe Bigfoot, rassemblement. Des singes. Regardez. J'ai pas envie de te manger, t'es mignonne comme tout. C'est quoi ? Un bison. J'arrive pas à y croire. Un vrai bison à l'état sauvage. C'est très rare. On a trop de chance. C'est génial. C'est l'avantage des expéditions nocturnes. On voit des écureuils volants et des porcs épics. J'adore partir en expédition, même sans Sasquatch. Une chouette effraie. Les chouettes effraies sont de loin les plus... La pleine lune me donne envie de hurler. Honnêtement, j'aime tout ce qu'implique la recherche de Bigfoot. Génial. J'adore la Sierra Nevada. Ma vie, c'est ça. Je me fiche complètement de trouver un Sasquatch ou non. Je fais ça par passion.